Aujourd'hui, il y a un encouragement pour toi. Le psaume 133 est un psaume bien connu des chrétiens. Voici ce qu'il dit. Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure versée sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Pour beaucoup de chrétiens, le temps commence à devenir long. C'est indéniable. Les réunions d'église, les rencontres entre frères et sœurs, les célébrations, les cultes et la vie d'église en général nous manquent. Le vivre ensemble, le demeurer ensemble du psaume 133 nous manque. Notre côté relationnel et célébratif est fortement mis à l'épreuve. Mais d'un autre côté, certains opportunistes ne manqueront pas de surfer sur la vague de l'individualisme pour attaquer l'Église, l'Église rassemblement pendant ce temps de confinement. Indéniablement, l'Église doit s'adapter, faire preuve de créativité et trouver de nouvelles expressions pour vivre la foi et continuer à proclamer l'Évangile du Royaume dans un temps exceptionnel comme celui que nous sommes en train de traverser. Même si nous pouvons trouver du positif dans ce temps de confinement, celui-ci ne représentera jamais la normalité, ni pour l'humanité, ni pour l'Église en particulier. Dans la mesure où l'Évangile est une puissance qui libère, nous pouvons imaginer que Dieu utilise cette période pour nous parler, pour nous recentrer, mais nous ne pouvons pas imaginer que la volonté de Dieu, c'est de nous enfermer dans nos maisons et de nous priver de sa création. Comme toujours depuis qu'elle existe, parce qu'elle possède l'ADN du Créateur, le Saint-Esprit, celui qui communique la vie. L'Église sera purifiée, mais l'Église pourra encore émerger. Cette Église a traversé les siècles et les millénaires. Elle est toujours là. Des empires se sont effondrés, mais l'Église subsistera pour l'éternité. L'Église a toujours su s'adapter. Elle est passée par différentes phases. Elle a connu le temple de Jérusalem dans les Actes des Apôtres ou encore les églises de maison, des congrégations de taille moyenne ou de grande taille. Le jour de la Pentecôte, 3000 conversions. Elle a connu des rassemblements clandestins dans les bois au temps de la Réforme ou encore de nos jours, l'église souterraine dans les pays où frappe la persécution. Elle a toujours su s'adapter et rebondir parce qu'elle est l'église de Jésus-Christ. S'il est vrai que l'Église telle qu'elle est décrite par le Nouveau Testament ne pourra jamais se confondre avec un bâtiment, elle n'en demeure pas moins le rassemblement des enfants de Dieu rachetés et nés de nouveau. L'Église, du grec « ecclésia » qui signifie « assemblée », requiert un rassemblement. La foi chrétienne sera toujours une foi qui se vit personnellement, mais non individuellement. La foi chrétienne repose sur un message, l'Évangile. L'Évangile qui se reçoit par la foi, qui se vit, qui nous relie à Dieu et aux autres. Dans ce sens, la communion fraternelle sera toujours un élément indissociable de l'Évangile. Actes chapitre 2, verset 42. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. » Matthieu chapitre 16, verset 18. Soyez certains, le rassemblement des fidèles qui partagent la foi, qui se nourrissent de l'Évangile et qui célèbrent Dieu à travers une louange vivante et collective restera dans la volonté de Dieu jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et lorsqu'il reviendra, ce n'est nullement pour enlever des chrétiens individuellement, mais pour enlever son Église. En ce temps de confinement, sans négliger notre famille, préparons-nous de la meilleure façon, ayons de l'huile à nos lampes et cherchons le cœur de Dieu. Mais soyons certains, le temps des rassemblements reviendra. Nous pourrons encore louer Dieu ensemble et nous serrer dans les bras. Jésus revient bientôt et l'Église dit « Maranatha, viens Seigneur Jésus ».